sur RCFM, vous êtes à l'écoute de Cantara. Il a accompagné le quotidien des Corses durant des décennies. Pedro Mari, c'était une voix reconnaissable entre toutes et deux passions. La première, la langue corse, qu'il défendit dès ses débuts sur les ondes dans les années 80. Et au départ, je faisais des émissions qui répondaient à la nécessité d'affirmer la corsophonie, de faire qu'en langue corse, on puisse parler de tout, et de faire que tous puissent parler de tout. C'est-à-dire que la langue corse appartient à tout le monde. Sa deuxième passion, c'était la Méditerranée, qu'il sillonnera durant près de 20 ans au micro de deux émissions emblématiques, Méditerradio et Cantara. Pedro Mari fut un pilier de RCFM, l'un des symboles de la radio insulaire. C'est quand même une émotion terrible pour nous parce qu'on ne perd pas un collègue. On perd vraiment quelqu'un qui nous a aidé à bâtir la radio, à bâtir notre outil de travail. Et ça, c'est quand même quelque chose qui nous émeut beaucoup. Journaliste, animateur, poète ou écrivain, Pedro Mar n'avait que faire des étiquettes. Sa liberté, comme son talent, laisseront une trace indélébile dans le monde culturel insulaire.